أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رمضان سے پہلے Avant le mois du Ramadan, j'évoquais les razwat, les expéditions militaires du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce contexte, je mentionnais les événements de la bataille d'Uhud. Et je présentais aussi certains aspects de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je reprendrai le même thème aujourd'hui. Selon les récits, la mère de Sa'd ibn Mu'adh s'est approchée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à cheval et Sa'd ibn Mu'adh tenait les rênes de sa monture. En voyant sa mère, Sa'd ibn Mu'adh a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, voici ma mère. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Qu'elle soit la bienvenue. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a arrêté son cheval. La femme s'est approchée pour regarder le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui a présenté ses condoléances suite au martyre de son fils Amr bin Mu'adh. La femme a répondu: ma tristesse a disparu en vous voyant sain et sauf. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Oumé Sa'd: bonne nouvelle à toi, Oumé Sa'd. Et présente ces bonnes nouvelles au foyer de tous les martyrs. Tous ces tués sont ensemble au paradis. Et ils ont tous intercédé en faveur de leurs proches. C'est-à-dire, les martyrs ont intercédé auprès de Dieu en faveur de leurs proches. Oumé Sa'd a déclaré: ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes tous satisfaits du décret de Dieu et nous sommes ravis suite à cette bonne nouvelle qui va pleurer à la mort de ces martyrs. Quelle foi sublime de ces personnes et quelle soumission sans faille au décret de Dieu. Ensuite, elle a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, priez pour les familles endeuillées de tous les martyrs. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié en ces termes, en faveur des proches des martyrs d'Uhud en ces termes. Ô Allah, dissipe la tristesse et la douleur de ces personnes, enlève leur malheur et fais de ces successeurs des martyrs de meilleurs successeurs. Hazrat Muslim Aoud radhiyallahu a évoqué la fidélité des gens de Médine en ces termes. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille d'Uhud, les femmes et les enfants de Médine sont sortis de la ville pour l'accueillir. La chamelle du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était tenue par un ancien et brave compagnon Ansari, Sa'd ibn Mu'adh. Il marchait fièrement devant. Tout près de la ville, il a rencontré sa mère âgée, dont la vue était faible.
Elle avait perdu un fils à Uhud. La vieille femme avait des cataractes à l'œil et sa vue était faible. Elle se tenait devant les femmes et elle a commencé à regarder autour d'elle, essayant de savoir où se trouvait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Saad bin Mu'adh a compris que sa mère serait choquée lorsqu'elle va apprendre la nouvelle du martyre de son fils. Par conséquent, il souhaitait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'encourage et la console. Ainsi, dès qu'il a vu sa mère, il a dit: « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voici ma mère. Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voici ma mère. » Il a dit à deux reprises que sa mère arrivait. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté et il a déclaré: « Femme, c'est une grande pitié qu'un de tes fils est tombé en martyr lors de cette bataille. » La vue de la vieille femme était faible, elle ne pouvait pas voir son visage. Elle a regardé autour d'elle jusqu'à ce que finalement ses yeux se sont posés sur le visage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est approchée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a déclaré: « Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand je vous ai vu sain et sauf, j'ai rôti ce malheur et je l'ai consommé. » Cette femme avait atteint le comble de la vieillesse, elle avait l'échine brisée par la vieillesse, mais toute brave, elle a déclaré: « Le chagrin de mon fils ne me consumera pas. Tant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vivant, je mangerai ce chagrin. La mort de mon fils ne me tuera pas. Au contraire, la pensée que le saint prophète Mohammed lui est vivant et que mon fils a donné sa vie pour sa protection me donnera la force. » Hadrat Muslim Maud Radotalanhu a demandé aux femmes Ahmadi en citant un incident similaire à une autre occasion. Il a demandé: possédez-vous la même passion pour la foi? Après avoir cité cet incident, il a attiré l'attention de ces femmes Ahmadi à propos de l'importance de la prédication en disant: ces femmes se tenaient aux côtés des hommes pour la diffusion du message de l'islam. Le monde musulman se dit fier des sacrifices de ces femmes musulmanes. Vous, les suivantes du Messie premier à l'Islam, vous affirmez que vous croyez en lui et vous croyez que le Messie premier à l'Islam est le deuxième avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, vous clamez que vous représentez le deuxième avènement de ces femmes compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dites-moi si vous avez les mêmes sentiments pour servir la religion que ces femmes compagnons du saint prophète Mohammed lui. Possédez-vous la même lumière que détenaient ces femmes compagnons? Vos enfants sont-ils aussi pieux que ceux de ces femmes compagnons? Si vous réfléchissez, vous allez constater que vous êtes bien loin de ces compagnons. Ensuite, le musulman Maud Radotanho déclare: ces sacrifices pour lesquels elles ont mis en jeu leur vie étaient si appréciées par Dieu que Dieu leur a accordé le succès en très peu de temps. Ses compagnons hommes et femmes ont accompli en quelques années les œuvres que d'autres peuples n'ont pas pu accomplir même au cours de plusieurs siècles. Ainsi, si nous voulons voir du progrès, nous allons devoir cultiver cette conviction, cette foi, cette passion, cette sincérité. J'ai déjà mentionné certains de ces récits, un instar du dernier récit qui a également été rapporté dans différentes sources. Cependant, ce sont des événements qui, lorsqu'ils sont entendus encore et encore de différentes manières, créent un sentiment étrange de foi et d'enthousiasme. En particulier, quand le musulman Maud radhiyallahu anhu en parle, ces moments se déploient devant nos yeux dans un tableau plus vaste, ne restant pas que de simples occurrences isolées. Il a cité le récit d'une de ces femmes de l'aube de l'islam. Il déclare que le champ de bataille d'Uhud se trouvait à 8 ou 9 milles de Médine. Lorsque la nouvelle de la mort du saint prophète Mohammed lui est parvenue à Médine, les femmes pleurant et gémissant à profusion sont sorties de la ville et se sont précipitées vers le champ de bataille.
En cours de route, la plupart des femmes ont appris la nouvelle que le saint prophète Mohammed lui était sain et sauf, et elles se sont arrêtées là. Mais une femme s'est précipitée follement jusqu'à Uhud. Le mari, le frère et le père de cette femme avaient été tués à Uhud. Et certains récits mentionnent également la mort de son fils. Lorsqu'elle est arrivée tout près de l'armée musulmane, elle a demandé à un compagnon du saint prophète Mohammed comment se portait le saint prophète Mohammed. Celui qui donnait la nouvelle était rassuré sur le sort du saint prophète Mohammed et il lui a dit: femme, il est regrettable que ton père a été tué dans cette bataille. Suite à quoi, la femme a répliqué: tu es drôle, toi. Je te demande comment se porte le saint prophète Mohammed et tu m'informes de la mort de mon père. Sur quoi le compagnon a déclaré: femme, je suis désolé, ton mari également a été tué dans cette bataille. Sur quoi la femme a répliqué: je ne t'ai pas interrogé sur mon mari, je te demande comment se porte le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suite à quoi, le compagnon lui a dit: femme, je suis désolé, ton frère a également été tué dans cette bataille. La femme a répliqué vivement: je ne t'ai pas interrogé sur mon frère, je te demande comment se porte le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dis-moi comment se porte l'envoyé d'Allah. Lorsque les gens ont vu qu'elle ne se souciait pas de la mort de son père, de son frère et de son mari, et qu'elle ne voulait que demander des nouvelles du saint prophète Mohammed, ils ont compris ses sentiments sincères et lui ont dit: le saint prophète Mohammed se porte très bien. Sur quoi elle a dit: dites-moi où il se trouve. Et elle a couru vers l'endroit où se trouvait le saint prophète Mohammed. Arrivée là-bas, elle s'est agenouillée devant l'envoyé d'Allah et a pris le pan de son vêtement et a déclaré: au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Tant que vous êtes vivant, la mort d'un autre ne m'importe pas. Je n'ai besoin que de vous. Si vous êtes vivant, je ne me soucie de la mort de personne d'autre. Le musulman Maud Aradotalanho déclare: regardez à quel point cette femme aimait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens lui donnaient des nouvelles de la mort de son père, de son frère, de son mari, l'un après l'autre, mais elle répondait toujours la même chose: dites-moi comment se porte l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En bref, cette femme avait fait preuve d'un amour immense pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que le musulman Maoud a dit à propos des musulmans du début de l'islam. Dans son ouvrage « Introduction à l'étude du Saint-Coran », le musulman Maoud a décrit la situation après la bataille d'Uhud et a présenté des faits concernant le caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'amour de ses compagnons, hommes et femmes, à son égard. Il déclare: quand l'armée musulmane retournait vers Médine, la rumeur de la mort du saint prophète Mohammed et la nouvelle de la dispersion de l'armée musulmane avait atteint Médine. Femmes et enfants s'étaient lancés dans la direction d'Uhud. Beaucoup d'entre eux ont appris la vérité et s'étaient arrêtés là. Mais une femme de la tribu Banu Dinar a continué jusqu'à Uhud tout affolée. Elle avait perdu dans la bataille son mari, son père et son frère. Selon certains commentateurs, elle avait aussi perdu un fils. Il s'agit du premier récit. Lorsqu'on a informé cette femme à propos de la mort de son père, elle a demandé: dites-moi comment se porte le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'informait savait que le saint prophète était vivant, mais il n'a pas répondu tout de suite à sa question, mais lui a dit que son frère, son mari et son fils étaient morts. À chaque nouvelle, elle ne cessait de demander: qu'a fait le saint prophète Mohammed sallallahu. Cette expression est étrange en apparence, et c'est pour cette raison que, selon les historiens, en fait, cette femme voulait demander ce qui est arrivé au saint prophète Mohammed sallallahu. C'est-à-dire, ils ont présenté un autre sens. Mais le musulman déclare que cette phrase n'était pas erronée, mais cela est tout à fait correct selon le langage familier des femmes. Les femmes ont des émotions très intenses et elles parlent parfois aux morts comme s'ils étaient vivants. Si le mari ou le fils d'une femme décède, eh bien elle a tendance à se plaindre au décédé en lui demandant pourquoi il l'abandonne. Ou elle va dire: « Oh mon fils, pourquoi m'abandonnes-tu dans ma vieillesse ?» Ceci est une manifestation très subtile de la nature humaine face à l'intensité du chagrin. C'est ainsi que cette femme a réagi à la nouvelle de la mort du saint prophète Mohammed. Elle n'était pas prête à croire qu'il était décédé,
et les autres ne pouvaient pas non plus contredire cette nouvelle. C'est pourquoi, dans l'intensité de son chagrin, elle répétait « Qu'a fait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» C'est-à-dire, comment un homme aussi fidèle a-t-il pu nous infliger une telle douleur? Lorsque les gens ont constaté qu'elle ne se souciait pas de la mort de son père, de son frère et de son mari, ils ont compris ses sentiments sincères et ils lui ont dit « Ô mère d'un tel, le saint prophète Mohammed Pesos à lui est en sécurité comme tu le souhaites par la grâce d'Allah. » Sur quoi elle a demandé « Montrez-le-moi. » Et les gens lui ont dit « Avance, il est debout là-bas. » La femme a couru vers le saint prophète Mohammed Pesos à lui et s'est agrippée à ses vêtements et a dit « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Tant que vous êtes sains et saufs, peu m'importe la mort d'un autre. » Le musulman Maud déclare « Les hommes ont montré cet exemple de foi lors de la bataille et les femmes ont montré cet exemple de dévouement. Le monde chrétien est fier du courage de Marie-Madeleine et de ses compagnons qui se sont rendus à la tombe du Christ à l'aube, se cachant des ennemis. Je leur dis « Venez et voyez mes fidèles et mes dévoués, dans quelles conditions ils l'ont soutenu et dans quelles conditions ils ont élevé le drapeau du monothéisme. » Après avoir fait enterrer les morts, le saint prophète Mohammed Pesos lui est retourné à Médine et il a vu des femmes et des enfants qui venaient de la ville pour le recevoir. La chamelle du saint prophète Mohammed Pesos lui était tenue en bride par Saad bin Muaz, un chef de Médine. Et il conduisait la chamelle avec pompe, comme pour proclamer au monde que les musulmans avaient après tout réussi à ramener le saint prophète Mohammed Pesos lui à Médine sain et sauf. C'est là le style utilisé par le musulman Oud. Tout près de la ville, il a rencontré sa mère dont la vue était faible. Son fils Amr bin Muaz a également été tué à Uhud, comme je l'ai déjà mentionné en détail. Lorsqu'il a vu la dame, eh bien, le saint prophète Mohammed Pesos lui a déclaré « Je suis désolé pour la mort de ton fils. » Suite à quoi, la noble femme a répondu « Ô messager, lorsque je vous ai vu sain et sauf, j'ai rôti mon chagrin et je l'ai consommé. » Rôtir mon chagrin et le consommer, quelle étrange expression! Quel profond sentiment d'amour exprime-t-elle? Le chagrin dévore l'homme. Mais la femme dont l'échine était brisée en raison de sa vieillesse a déclaré avec bravoure « Le chagrin causé par la mort de mon fils ne me consumera pas. Tant que le saint prophète Mohammed Pesos lui est vivant, je mangerai ce chagrin. La mort de mon fils ne me tuera pas. » Au contraire, la pensée que le saint prophète Mohammed est vivant et que mon fils a donné sa vie pour sa protection me donnera la force. Tel était leur sentiment. Exprimant ces sentiments, le musulman Oud Radutalanhu a prié pour les Ansars en ces termes. Il a déclaré aux Ansars : Ma vie vous est sacrifiée, quel grand mérite avez-vous acquis ? Quel était l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face à l'attitude des hypocrites et des juifs à Médine ? Et quelle était la ferveur de Omar radiallahu anhu contre leur comportement? Selon les récits, lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine après la bataille d'Uhud, les hypocrites et les juifs ont commencé à célébrer et à insulter les musulmans en disant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recherche la royauté, à Dieu ne plaise, et aucun prophète n'a jamais subi autant de pertes que lui. Il a lui-même été blessé et ses compagnons également. Et il disait, « Si vos hommes qui ont été tués avaient été avec nous, ils n'auraient jamais été tués. » Omar radiallahu a demandé au saint prophète Mohammed Pesos à lui l'autorisation de tuer ces hypocrites, les hypocrites qui tenaient ses propos. Le saint prophète Mohammed Pesos à lui a répondu, « Ne font-ils pas la profession de foi en disant qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah ? Ne disent-ils pas « La ilaha illallah » et ne disent-ils pas que Mohammed est le messager d'Allah ? Ils récitent bien la kalima, n'est-ce pas ?» Omar a répondu, « Oui, bien sûr, ils récitent la kalima, mais ils tiennent des propos d'hypocrites en même temps. » Omar radiallahu a ajouté, il récite la kalima par peur de l'épée.
Ils récitent la kalima par peur. Mais leur intention est claire. Et Allah a mis à nu leur haine. Et il faut se venger d'eux et les punir. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Dieu m'a interdit de tuer celui qui fait profession de foi et qui déclare « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Dieu m'a interdit de tuer celui qui a récité cette kalima. Ainsi, cela doit suffire pour réduire au silence ces prétendus ulémas qui accusent les Ahmadis d'être des mécréants et de dire qu'il est permis de tuer les Ahmadis. Ces mêmes Ahmadis qui récitent la kalima sincèrement et dont les cœurs ne recèlent pas une seule once d'hypocrisie. D'ailleurs, certains Ahmadis sont tombés en martyr pour cette raison. Ce sont ces mêmes prétendus oulémas qui ont terni le visage de l'islam aujourd'hui. Il existe différents récits sur les prières funéraires des martyrs de Houd. J'en ai fait mention dans le passé et je cite ici un récit du Sahih al-Bukhari qui nous éclaire sur le rang et la position des compagnons ayant participé à la bataille de Houd, ainsi que les prières du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en leur faveur. Uqba bin Amir a rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière funéraire des martyrs de Houd 8 ans après la bataille. Il a prié comme s'il disait au revoir aux vivants et aux morts. Ensuite, il est monté en chair et il a déclaré: Je serai votre avant-coureur et je serai votre témoin. Et notre point de rencontre sera le bassin. Je le vois d'où je suis. Je ne crains pas que vous commettiez le shirk, l'association des partenaires à Dieu, après moi, mais je crains que vous ne sombriez en ce monde et que vous vous battiez entre vous pour acquérir les biens matériels. Et les événements ultérieurs ont prouvé que cette crainte du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était fondée. Ibn Abbas rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: Lorsque vos frères sont tombés en martyr à Uhud, Allah a placé leur âme dans le ventre d'oiseaux verts. Ils descendaient sur les rivières du paradis et ils en mangeaient les fruits. Et ils résidaient dans des chandeliers en or suspendus sous l'ombre du trône. Lorsqu'ils ont mangé, bu et se sont reposés à leur guise, ils ont déclaré: Qui informera nos frères que nous sommes vivants au paradis et que nous recevons de la nourriture afin que nos frères ne soient pas découragés du jihad et afin qu'ils ne se dérobent pas au moment de la bataille. Allah le Sublime a déclaré: « Je les informerai de votre part ». Et Allah a révélé ce verset. « Wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata » Ne pensez pas que ceux qui sont tués dans la voie d'Allah sont morts. Les commentateurs et les narrateurs de hadith citent parfois tel ou tel incident comme la raison de la révélation d'un verset. Or, cela n'est pas nécessairement le cas. Les martyrs de Badr jouissent également d'un grand statut à l'instar des autres martyrs. Et il y a également un verset de la sourate al-Baqarah à leur sujet. Ensuite, on trouve un autre récit rapporté par Jabir bin Abdillah, selon lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: Lorsque je me souviens des martyrs d'Houd, je jure par Dieu que je souhaite avoir été avec mes compagnons sur le col de la montagne. Il disait: Je serai mort en martyr avec mes compagnons. Abdullah bin Abi Farwa rapporte de son père que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a visité les tombes des martyrs de Houd et a déclaré: Oh Allah, en vérité, ton serviteur et ton prophète témoignent
que ces gens sont des martyrs. Et jusqu'au jour de la résurrection, ils répondront à celui qui les visite et à celui qui leur envoie des salutations. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré à propos des martyrs de la bataille d'Uhud, « Ceux-ci sont ceux dont je suis témoin ». Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu a demandé, « Ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas leurs frères ? Nous sommes devenus musulmans comme eux ?» Et nous avons accompli le djihad comme ses compagnons. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu « Oui, mais je ne sais pas ce que vous ferez après moi. » Abu Bakr s'est mis à pleurer. Il a déclaré « Allons-nous vous survivre ?» C'est en raison de ce chagrin que Abu Bakr a commencé à pleurer, craignant que leur vie ne soit plus longue que celle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Selon Abad bin Abi Salih, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, visitait les tombes des martyrs de Houd au début de chaque année, et il disait « Salamun alaykum bima sabartum, fa ni'ma ukbadar. » La paix soit sur vous pour ce que vous avez enduré, quelle belle demeure et la fin. Le narrateur déclare qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu et Omar et ainsi que Othman par la suite visitaient également les tombes des martyrs de Uhud par la suite. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a déclaré, vers la fin de sa vie, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière funéraire des martyrs de Uhud et il a prié en leur faveur avec beaucoup de douleur. Il nourrissait à l'égard des martyrs d'Uhud un amour et un respect particuliers. Un jour, il est passé devant les tombes des martyrs d'Uhud et il a déclaré « Voici les gens dont je suis témoin de leur foi. » Abu Bakr a demandé « Ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas leurs frères ? N'avons-nous pas accepté l'islam comme eux ? N'avons-nous pas fait le djihad dans la voie d'Allah comme eux ?» Il a répondu « Oui, mais j'ignore ce que vous ferez après moi. » Suite à cette réponse, Abu Bakr s'est mis à pleurer et il a beaucoup pleuré. Et il a déclaré « Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, allons-nous vous survivre ? Cette pensée seule nous tue. » Il ajoute « Les compagnons aussi honoraient grandement les martyrs d'Uhud. Et le souvenir d'Uhud était sacré dans leur cœur. » Une fois après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman bin Auf a reçu un repas d'iftar qui était probablement un peu copieux. Cela lui a rappelé l'époque d'Uhud où les musulmans n'avaient même pas de vêtements pour couvrir leurs martyrs. Et lorsqu'ils devaient prendre de l'herbe pour cacher les dépouilles des martyrs, ce souvenir a bouleversé Abdurrahman bin Auf tant et si bien qu'il s'est mis à pleurer de manière incontrôlable. Il a quitté la table et il a abandonné son repas, bien qu'il était en train de jeûner. On trouve également des récits de compassion envers les familles des martyrs d'Uhud et on trouve aussi mention de l'amour pour les enfants des martyrs d'Uhud. Akraba, le père de Bishr, faisait partie des martyrs de la bataille d'Uhud. Certains ont déclaré que Bishr se nommait également Bashir. Lorsque Akraba est décédé en martyr, son fils Bishr était assis à ses côtés et pleurait. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passé par là et il a déclaré « Ne pleure pas, n'es-tu pas satisfait que je sois ton père et que Aïcha soit ta mère ?» Bishr a répondu « Certainement, je suis tout à fait d'accord à ce propos. » Son ancien nom était Bahir, mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a donné le nom de Bashir. Il avait un léger bégaiement. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a soufflé sur sa bouche et son bégaiement a disparu. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a également posé sa main bénie sur sa tête. Lorsque Bishr a vieilli, tous ses cheveux sont devenus blancs, mais les cheveux à l'endroit où le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait posé sa main bénie sont demeurés noirs. Il a eu une longue vie et il est décédé en Palestine en l'an 85 de l'Hégire. Voici un incident sur le réconfort prodigué à Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah rapporte « Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a rencontré et il m'a dit ceci. « Ô Jabir, qu'est-ce qui se passe ? Je te vois triste. »
J'ai répondu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mon père est tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud. Et il a laissé des dettes et des enfants. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré, ne devrais-je pas te donner la bonne nouvelle de la façon dont Allah a rencontré ton père? J'ai répondu, oui, au messager d'Allah, donnez-moi cette nouvelle. Il a dit qu'Allah n'a jamais parlé à personne sauf derrière un voile. Allah s'est toujours adressé à autrui derrière un voile. Mais Allah a ressuscité ton père et il lui a parlé face à face. Et il lui a dit ceci. « Ô mon serviteur, demande-moi ce que tu souhaites et je te le donnerai. » Il a dit, « Ô mon Seigneur, ressuscite-moi afin que je sois de nouveau tué dans ta voie. » Selon un autre récit, Abdullah a déclaré à cette occasion, « Ô mon Seigneur, je n'ai pas rempli mon devoir envers ton adoration. » Je souhaite que tu me renvoies en ce monde pour que je puisse me joindre à ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que je puisse combattre dans ta voie et être tué à nouveau dans ta voie. Sur quoi Allah a déclaré que j'ai déjà décrété que ceux qui meurent une fois ne retourneront pas de nouveau sur terre. Abdullah bin Amr a dit à Allah, « Ô mon Seigneur, informe ceux que j'ai laissés en arrière. » Sur ce, Allah a révélé ce verset. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ne pensez pas que ceux qui sont tués dans la voie d'Allah sont morts, ils sont vivants. En vérité, auprès de leur Seigneur, ils reçoivent leur subsistance. En tout cas, comme je l'ai dit précédemment, que cet incident ait été la raison de la révélation de ce verset ou non, un point incertain. Les martyrs demeurent vivants et ils accèdent immédiatement au plus haut degré et à la plus haute position du paradis après leur décès. Dans un de ses discours, feu le quatrième calife, qu'Allah soit content de lui, a évoqué les détails de l'incident où Allah a dialogué avec Abdullah bin Amr. Il a évoqué ceci dans le contexte de la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a évoqué le lien profond des compagnons avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ainsi que l'amour des compagnons à son égard. Et comment Allah l'exaltait, les regardait avec affection. Le quatrième calife déclare, « Cet événement rayonne d'une beauté multiforme, et quelle que soit la perspective sous laquelle on l'observe, cet incident nous offre un attrait nouveau. Parmi ces nombreux enseignements, nous découvrons comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en communion constante avec son Seigneur. » Son regard se tournait avec compassion vers ses serviteurs tout en étant constamment relié à son Seigneur exalté. Une facette de lui-même était tournée vers ses compagnons, tandis que l'autre était toujours connecté et attaché au compagnon suprême, la personne de Dieu. Cet être se trouvant sur les horizons les plus élevés dans un état de paix ne s'en éloignait pas un instant même au cœur de la bataille. Un œil veillait sur le champ de bataille tandis que l'autre se perdait dans la contemplation de la beauté du bien-aimé. Une oreille s'inclinait vers les compagnons avec miséricorde tandis que l'autre était attentive aux douces paroles de son Seigneur de l'Assemblée exaltée. Sa main était libre mais son cœur débordait d'amour. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui encourageait ses compagnons et Dieu l'encourageait en retour. En informant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'état de cœur d'Abdullah bin Amr, Allah lui transmettait en fait ce message. Vois l'intensité de l'amour pour toi que nous avons insufflé dans les cœurs de nos serviteurs emplis de gnose au point que même après avoir quitté ce monde éphémère, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à toi. En effet, Abdullah bin Amr avait demandé à être aux côtés du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et à reprendre le combat contre l'ennemi. Cette pensée les hante et les attriste de t'avoir laissé seul sur le champ de bataille. Ils ne souhaitent plus le paradis tant qu'ils ne sont pas avec toi. Leur paradis se résume à ceci, être transpercé maintes et maintes fois par les épées tranchantes mais demeurer avec toi encore et encore. Je présenterai le reste ultérieurement, Inch'Allah. Priez pour la Palestine et l'état du monde. La situation s'empire, on craint une attaque sur l'Iran
et que la guerre ne s'étende. Qu'Allah fasse montre de miséricorde. Nous avons reçu des nouvelles de la libération de plusieurs prisonniers Ahmadis du Yémen. En effet, la majorité d'entre eux ont été libérés hier. Prions également pour la libération des quelques-uns qui restent. Que Dieu débarrasse les cœurs des dirigeants de tout mal. Priez spécialement pour qu'Allah crée des circonstances pour la libération de la Sadr al-Jina. Après la prière, je dirigerai la prière funéraire de deux défunts en absence de leur dépouille. Le premier défunt est le respecté Mustafa Ahmad Khan Saheb, fils de feu Hazrat Nawab Abdullah Khan Saheb et de Hazrat Nawab Amatul Hafiz Begum Sahiba. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le plus jeune des petits-fils du Messie premier d'Islam, étant le fils cadet d'Amtul Hafiz Begum Sahiba. En tant que tel, il était le plus jeune des petits-fils maternels du Messie premier d'Islam. Par la grâce d'Allah, il était moussi. En 1966, il a commencé sa carrière en tant que directeur général principal de la Sui Northern Gas Company. Après sa retraite, il est retourné à la direction de cette même société. Quand la situation s'est détériorée en 1974, la société l'a mis de côté et ne lui a pas donné de travail approprié. Le défunt a consulté feu le troisième calife à ce sujet, et ce dernier lui a dit ceci: « Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Vous devez rester là-bas. » Par la suite, Dieu lui a accordé sa miséricorde et les choses se sont arrangées en sa faveur. Le défunt était très soucieux des pauvres et entretenait ses relations. Son épouse écrit que le défunt avait été marié deux fois, sa première épouse était décédée et il a ensuite épousé la sœur cadette de sa première épouse, qui avait déjà des enfants. Il a élevé ses enfants comme les siens. Ainsi, à la demande de ses sœurs, le défunt avait contracté ce second mariage. Ce second mariage était parfaitement réussi. Sa deuxième épouse était donc la sœur cadette de sa première épouse. Et elle était déjà mariée. Elle avait deux enfants, des filles, comme je l'ai dit. Elle était divorcée et elle a élevé elle-même ses filles pendant un certain temps. Mais finalement, elle s'est mariée avec le défunt. Son épouse écrit qu'il était très bienveillant envers les non-musulmans. Il y avait un garçon hindou au Sindh. Il a pris en charge ses frais d'éducation et il lui a appris à lire et à écrire au point qu'il est devenu assistant commissaire. Et ce jeune disait toujours que c'est grâce à Mustafa Kamal Saheb qu'il a obtenu ce poste. C'était là la grâce d'Allah, bien sûr. Il était très généreux envers les pauvres et il avait créé un trust au nom de ses parents, le Nasir Abad Farm Trust, qui comprenait une ferme héritée de son père. Outre les terres, il avait également une clinique et il organisait des camps médicaux gratuits régulièrement. Le docteur Abdul Mannan Shahid Saheb a participé également à ces camps médicaux. Le défunt n'a jamais demandé de l'argent de l'extérieur pour cette clinique. Il couvrait les frais de la clinique avec ses propres ressources. Il était également très hospitalier, tout comme son père Nawab Abdullah Khan Saheb. Il avait reçu cette qualité de sa part. Le défunt avait une relation très affectueuse à l'égard de ses enfants. Sa deuxième épouse écrit qu'il s'occupait de ses filles comme s'ils étaient les siens. Il était strict avec les enfants lorsqu'il le fallait, mais il leur expliquait toujours les raisons.
Le docteur Khalid Taslim Sahab, son neveu, dit que le défunt était un homme qui était très utile aux autres. Il occupait un poste important à la Sui Gas Company et il aidait toute personne qui avait besoin de lui, en particulier les pauvres. Il relate que Mirza Hanif Ahmad Sahab a dit que s'il envoyait quelqu'un au défunt pour un travail quelconque, celui-ci le faisait. Il avait également aidé dans une grande mesure à faire installer le gaz dans de nombreuses maisons pauvres à Rabat. Le défunt était atteint d'un cancer il y a 35 ans de cela et il a dû subir une opération majeure. Il éprouvait également de nombreuses difficultés dans sa vie au quotidien en raison de sa maladie, mais cela n'a jamais enlevé le sourire de son visage. Son sens de l'hospitalité et sa volonté à aider les autres n'ont pas changé. Le défunt avait un large cercle d'amis. Même les opposants de la communauté le respectaient et ils l'appréciaient beaucoup et ils lui rendaient visite, car le défunt était un bienfaiteur. Il faisait du bien à tout le monde et il s'efforçait de ne recevoir aucune faveur. Il tentait de rendre service aux autres. Et si quelqu'un lui faisait ne serait-ce qu'une petite faveur, il lui en était très reconnaissant. J'ai moi-même constaté toutes ces qualités chez le défunt. Il était également un protecteur des pauvres. Il était également un fils exemplaire qui a surtout servi sa mère. Bien qu'étant le plus jeune, il s'est comporté comme l'aîné. Lorsque sa mère, Hazrat Nawab Abdul Hafiz Begum Sahiba, lui a confié la gestion conjointe des terres héritées, il a accompli ses tâches administratives de manière exemplaire et il a élevé la ferme à un niveau supérieur. C'est pourquoi ses frères et ses sœurs lui faisaient également beaucoup confiance. En outre, il prenait grand soin des ouvriers pauvres de l'endroit. En bref, le défunt était un excellent mari, il était un excellent fils, il était un excellent père, ainsi qu'un excellent frère. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde. La deuxième prière funéraire sera celle du docteur Mir Daoud Ahmad Saheb. Il résidait aux États-Unis. Il est décédé ces derniers jours. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils du docteur Mir Mushtaq Ahmad Saheb et de Bilkis Begum Sahiba. Il était marié à Mukarima Amtul Basir Sahiba, fille de Hazrat Mia Abdurrahman Ahmad Saheb et de Saibzada Amtul Rashid Begum Sahiba. Saibzadi Amtul Rashid Begum Sahiba était la fille du Hazrat Muslim Aoud et donc la petite fille paternelle du Messie Premier Islam. Amtul Bashir Sahiba était donc l'arrière-petite-fille paternelle du Messie Premier Islam. Saibzadi Amtul Rashid Begum Sahiba était la petite-fille maternelle de Hakim Molvinuruddin Sahib, le premier calife de la communauté. Le docteur Daoud Sahib a obtenu son diplôme de l'Université d'ingénierie et de technologie de Lahore. Il s'est rendu aux États-Unis où il a obtenu son doctorat. Ensuite, il a travaillé à la Banque mondiale pendant 35 ans en tant que professionnel du développement et praticien hautement qualifié. Et il a travaillé sur une large gamme de projets de développement internationaux, notamment en Asie. Il était également l'un des membres fondateurs de la communauté Ahmadiyya aux États-Unis. Dans les années 70, il a également servi dans l'équipe de la cuisine communale, bien qu'il était un officier de haut rang. En outre, il a servi comme secrétaire national des propriétés aux États-Unis pendant plusieurs années. Il a toujours travaillé avec passion et zèle religieux. Il a beaucoup contribué à la construction et surtout à l'agrandissement de la mosquée Baitur Rahman aux États-Unis. Bien qu'il ait occupé des postes élevés, il a toujours rendu des services à la communauté avec une grande humilité. Le défunt a également vécu en Chine. Le missionnaire de l'époque m'a écrit que
lorsqu'il étudiait là-bas. En dépit de la situation défavorable, le défunt tentait de diffuser le message de l'islam en Chine. Le défunt était très humble et il accueillait tout le monde, grand et petit, avec une grande modestie et une grande gentillesse. Il était toujours prêt à apporter une aide financière dans la mesure du possible. L'hospitalité était l'une de ses qualités les plus marquantes. Il était compatissant envers tous, qu'ils soient proches ou étrangers. Que Dieu lui accorde son pardon et sa miséricorde. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر